Oh, mais j'ai une idée. Vite, vite, allons sur Invertébré pour choisir de nouveaux coraux. Ils sont déjà là. On va les ouvrir ensemble. En avant pour cet unboxing des coraux de chez Invertébré.fr. Il va me falloir une tablette, une tablounette. Vite, une tablounette ou un support ounet. Ouais, je sais ce que je vais chercher. Mon fidèle escabeau. Et je vais mettre un peu de lumière. On va descendre voir le colis. Où est la séparation entre les plaques? Voilà. Précieux. On a bien sûr une couverture de survie. J'ai demandé des accessoires. Ah, il m'en a mis deux en plus. Donc j'ai commandé des petits accessoires, ils sont là. Nickel. Ensuite, les poches, elles sont bien. Ce qui est particulier, c'est qu'il l'a retournée sur elle-même pour protéger. J'ai là un zoanthus dans un pot. Tout a l'air de bien aller. Ah oui, hop là. Maintenant, je vais mettre ça à tremper dans le bac pour que ça prenne la température. Alors, on est pas mal en termes de température, même si là, le pochon, il est bon. Je sens que je suis un peu plus froid que le bac, pas grand-chose. Mais en même temps, vu la saison et tout ça, il n'y a rien... Enfin, on doit être à... Il doit y avoir un degré d'écart. Hein. Donc, je vais juste mettre à tremper en avant. Alors, pour mettre à tremper, ce que je fais, c'est que je glisse vers l'arrière mon filet. Parce que maintenant, je peux. Et je mets à tremper. Voilà, rien de magique. Jusque là, enfin, j'espère que c'est rien de magique pour vous. Et on va laisser comme ça un certain temps. Ensuite, je vais faire le dip. Maintenant que c'est en train de tremper, que j'en ai pour un certain temps, voilà, je vais laisser, je pense, à peu près une demi-heure. Hein, ensuite, je ferai le dip. Je ne vais pas forcément vous montrer le dip. On a l'habitude. On fait nos différentes trempettes. Et puis voilà. Je vais ouvrir les accessoires qu'il y a avec. Parce que j'ai commandé des petits trucs qu'il y a avec. C'était sympa. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a des petits cadeaux. Mes enfants ne les verront pas. Le petit magnète. Malheureusement, c'est de l'aluminium, ça va pas, mais j'ai bien trouvé où le mettre. La petite carte de visite de invertébré.eu. Scannez le QR code, hein. Comme ça vous pourrez trouver facilement la boutique. Ah, excellent, il y a un deuxième magnète spécial Halloween, puisque on y est bientôt. Et si j'en avais pas, j'ai du dip. Donc ça, c'est vraiment cool de penser à mettre le dip dans le... Dans le colis, ça évite de se dire « Oh mince, canasson que je suis, j'ai oublié le dip. » Il y en a avec. Et en plus, le Coral Protect, là, il est vraiment bien. Donc ça, c'est une bonne idée. Ensuite, je lui ai commandé des petites pièces. Alors, vous allez me dire « Oui, tu as une imprimante 3D et tout ça. » Je ne l'utilise plus parce que j'ai plus le temps. Et le fait d'en avoir deux, c'est génial parce que je vais pouvoir en avoir une pour le gros et une pour le nano. Alors, maintenant, il faut que je les monte. Et excellent. Donc, en jaune et en orange. L'avantage, c'est que c'est très, très visible. Mais ça va me permettre de poser les coraux. Après mon dip, je vais pouvoir poser là-dessus mes petits plots. Et comme ça, après, je n'ai pas 15 fois à monter, à rentrer et descendre dans l'eau. Quand je vais faire mon positionnement, je vais pouvoir poser d'abord sur mon support à plots. Et après... venir les positionner à la position finale, on va dire ça comme ça. Donc, ça se clipse comme ça sur le bord du verre. Voilà. Et c'est du plus bel effet. Forcément avec mon verre en 15 mm, mais ça sera mieux sur le nano en fait. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit ça, c'est génial.
Je vais lui en prendre. Voilà, bon ben rendez-vous pour la suite une fois que j'aurai fait mon dip, tout ça. Bon, maintenant que c'est dipé, que ça a été pris au niveau de la température, puis dipé, puis mis dans le bac, faut leur laisser le temps de s'ouvrir. Si vous faites une photo maintenant, ça va être dégueulasse. Et c'est normal, hein. Vous, le matin, au réveil, pas coiffé, pas maquillé, je me maquille pas souvent, hein. On a tous une mauvaise tête, hein, quand il nous manque le café du matin et ainsi de suite. Là, ils n'ont pas encore eu le café du matin. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un peu l'éclairage pour la fin de cette journée. Et les plans où on verra un peu mieux les coraux, je les ferai demain. Allez, à plus. Enfin, à tout de suite pour la suite. Parce que vous, vous ne verrez pas, mais on sera demain. Juste pour rire, hein. Petit plan à l'arrivée. Voilà. Et ici, voilà. Les vitres ne sont pas faites, hein. Enfin, ne sont pas nickel. Mais voilà, les coraux sont fermés, c'est normal. Tout se passe bien. Par contre, là, je suis un peu proche du bord. Ça prend très peu de lumière. C'est un très bel effet, mais par rapport à cet éclairage-là, c'est pas top. Donc là, je vais positionner les trois plots qui sont là sur les portes, sur mon décor, pour que ça puisse prendre de l'ampleur. Et puis, je vais positionner un petit peu maintenant les pierres, maintenant que je vois un petit peu les pièces qu'il y a dessus. Et ça a commencé à s'ouvrir. C'est la fin de cette aventure, de cette commande chez invertébré.eu. Je vous laisse avec quelques images du bac. J'espère que cette découverte d'une boutique dont on n'entend pas beaucoup parler vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures sur Récif Captif.